Hey, salut à tous, c'est moi, 100% Mob. On se connaît, non? Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un essai que je vous avais promis, l'essai du 103 SP2 de 1988 qui est ici entre mes jambes. Donc je vous le rappelle pour ceux qui ont suivi, ce 103 SP est toujours en rodage, ça n'avance pas beaucoup les kilomètres, mais voilà, je vais quand même le tester aujourd'hui avec vous. On va le faire rouler du moins, on va pas faire non plus des scores de vitesse, hein. Vous comprenez bien que le rodage oblige, mais voilà, je vous avais promis de vous faire un essai routier, on va déjà faire celui-là, et puis on reviendra dessus une fois rodé, et là on essaiera de le pousser vraiment, de faire un maximum. On va essayer de démarrer tranquillou, comme ceci, en trottinette, et voilà, hop là. Désolé, l'image n'était pas très belle. Et donc voilà, ça y est, il a démarré comme à son habitude au quart de tour. Donc là, on va partir tranquillement. Et ouais, les gars, elles sont encore là, infatigables. En même temps, j'en ai acheté 5 paires. Donc voilà. Allez, maintenant, on va rouler tranquillement. D'accord, on va le faire chauffer. L'histoire, c'est de le monter en température pour pas trop abîmer le rodage. Et après, on se fera quand même 2-3 petites vitesses. On a le compteur qui fonctionne. Donc voilà, ça permettra déjà d'avoir une idée. Compteur assez précis, il est neuf. Hein. Je l'avais mis neuf à l'époque. Donc voilà, celui-ci affiche les kilomètres réels que fait la machine depuis qu'on a réhabilité ce moteur avec ce kit 70. Ça fait déjà quelques kilomètres que je roule. On peut commencer à accélérer, écoutez-moi ça. On entend qu'il en veut. Franchement, ça marche, ça mouline encore pas mal, hein. On le sent au niveau du variateur. On pourrait avoir un petit peu plus d'accroche, mais je vous le dis, ça c'est des réglages qu'on profilera vraiment après avec le temps. Et allez, on met un petit coup de gaz. Et voilà, ça y est, un petit 60 compteur. Ah là là, il marche, celui-là il va marcher. J'ai hâte que le rodage soit fini. Et franchement, celui-là il va avoir des watts, ça c'est clair. Allez voilà, on est parti pour de la montée. De neige, admis. Bah les chaînes, on en a pas, mais normal, il n'y a pas de neige. Voilà, moi le rodage, je ne vais pas forcément à plat, c'est même pas bon. Faut faire un peu varier le terrain. Donc voilà, moi j'habite à la montagne, je vous avoue, j'ai pas trop le choix, il y a un moment pour faire de la montée. Donc voilà, on monte tranquille, là je suis en train de monter dans les 25-30 à l'heure. Et puis de temps en temps j'accélère, voilà, histoire de faire varier le régime. L'idée c'est pas de rouler 50 bornes à 2000 tours, en refaire 50 à 3000 et vice versa, non non. Faut avoir une conduite raisonnable, normale. Vous montez, vous descendez, vous roulez tranquillement, voilà, c'est pas non plus à fond tout le temps. On peut se permettre de faire quelques pointes, hein. C'est pas pire. Hein. De toute façon il y a de l'huile, hein, donc voilà. Ça normalement ça craint rien, surtout avec les huiles qu'on a maintenant. Donc voilà, vous voyez là, on roule tranquille, de village en village. Regardez aussi le petit rétro custom. Passe pas mal sur ce 103. Ah voilà, c'est pour le délire. Celle-ci, on la fait pas d'origine, vous l'avez bien compris. Allez, voilà, maintenant demi-tour. On repart donc à la descente. Donc voilà, on met en temps quelques coups de gaz, hein, histoire d'être sûr d'envoyer un peu d'essence et d'huile dans le moteur. Et on y va tranquille, hein. On n'emmène pas le moteur dans les tours non plus, on retient la mob. En tout cas, le bruit, j'en ai déjà ma dose. Je suis tellement habitué à mes modèles d'origine, je vous avoue que là le pot, ça fait un beau bruit, hein. Mais faudrait pas faire 200 km comme ça, je pense qu'on se flingue le crâne. Après voilà, ça c'est un choix perso. Hein. Oh là 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 là, j'ai trop hâte les amis, dites-moi ce que vous en pensez par rapport au bruit, si vous l'entendez tourner, son comportement, pour ceux qui ont l'habitude de faire plus de kits que moi. Mais je pense que là on n'est pas vilain. Yeah. Allez, on va s'arrêter ici à l'ombre. Ralentir, regardez, nickel, on s'arrête. Ça le tient bien, ça bouge pas, on n'est pas trop rapide. Voilà, nickel, nickel, nickel. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo là. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cet essai. Je peux pas vous donner un hit score aujourd'hui. Hein. On va finir ce rodage. Vu que je l'ai sorti, là, je vais en profiter, je vais me faire une petite balade en gros. Là j'ai déjà fait 15 km, je vais encore en faire peut-être 40-50, voilà, comme ça me fera déjà un bon tour aujourd'hui. Maintenant qu'il est chaud, là je peux aller rouler. Donc en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et à la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.